que dans les derniers périodes, ça n'a pas facile. La présence des militaires, des corps habillés. Expliquez-nous, est-ce que la situation est encore de mise? Aujourd'hui, on parle de la campagne électorale. Il y a entre-temps, quand on avait parlé des gens qui préparaient une sorte de révolution, bon, à ce moment que nous avons encore vu un déploiement. Il y a les déploiements des militaires. Ils ont même leur caserne à côté des fouilles. Donc ils sont à tout moment, c'est devenu un camp. Donc, à tout moment, il y a un cortège militaire qui circule chaque nuit. Et dans le moment où on pense, on dit en même temps qu'il y a soulèvement, ou bien on entend peut-être les messages de Tipi à Jean-Ram. Puisque les gens d'ici, c'est peut-être il y a d'autres qui sont, il y a des gens derrière lui. Ils vont commencer dans les WhatsApp, vous entendez qu'il y a un soulèvement. Donc en ce moment, vous allez avoir que, en ce moment, si vous allez avoir un déploiement qui est sur le terrain. Et à un moment donné, ils commencent à bastonner les gens. Mais il y a quelques temps, les chefs cantons ont fait une sensibilisation pour aller voir les préfets et dire non à ces bastonnades. Et depuis ce jour, il y a plus de bastonnades, mais il y a la circulation militaire sur le terrain. Voilà. Chaque nuit, voilà. Il doit y avoir la circulation des militaires. Dans les journées, et les zones sont quadrillées. Tokodé est quadrillé, 4 zones. Vers Anara, à Bassar, il y a les cortèges militaires qui est là-bas. Vers Kara aussi, vers Chamba. C'est tout. Et à tout moment, les militaires sont dans les jeeps. À chaque moment, il y a des échanges aussi qui se font. Donc, dans la journée, ils circulent parce qu'à tout moment, ils font des échanges. La nuit, c'est en sorte que toutes les nuits, c'est devenu une patrouille. Mais actuellement, on a eu un peu. Il n'y a pas de bastonnade pour le moment. Voilà, il y a élection. Vous avez peur? Bon, les gens ont peur. Comme moi, j'ai dit les gens peur, puisque c'est nous qui sommes ici. C'est nous qui sommes ici. Même la carnaval que nous faisons là, nous avons senti qu'il y a des gens qui veulent se manifester, même la démarche que nous avons portée là. Nous, comme nous, on est des fétiches, mais pourquoi nous, on a pu, on se fait. D'autres, ça veut dire qu'après, ils viendront vous battre encore. Ouais, d'autres se disent qu'il y a des gens qu'on considère comme des milices qui sont là, qui sont là, ils vous voient. Et après tout, ce sont qui dénoncent avec les militaires, ils sont en situation avec les militaires, ils piquent les maisons. Ils viennent maintenant arrêter les gens, les bastonner. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a une psychose alors? C'est une psychologie. Donc les gens sont tous, même nous qui avons fait des pré-campagnes, nous avons vu ce système-là. Quand nous allons pour faire une pré-campagne, nous voyons que les gens sont cachés pour écouter ce qu'on dit. C'est parce que quand on va commencer à dire que donc quand les forces de défense sont derrière nous, c'est parce qu'ils sont venus pour nous faire la sécurité. Puisque nous avons donné des positions au niveau de la préfecture. Avant que nous puissions expliquer à ceux qui sont venus assis pour que nous faisons ça. Sinon les gens ont peur, il y a de l'inquiétude. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.